Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le 14e épisode de Pokémon version argent. J'espère que vous allez bien, alors oui, il fait nuit, car j'espère faire évoluer Evoli, voilà. Et je pense que là, ça sera la bonne, enfin j'espère. Parce que bon, j'ai encore envoyé chez le coiffeur et pour une fois, ça me dit qu'il a l'air ravi, ça m'avait jamais fait ça. Donc il y a peut-être des chances, alors attends, je le remets devant parce que je fais n'importe quoi. Il y a peut-être des chances qu'il évolue là. Donc la dernière fois nous avons vu que la Team Rocket avait investi la tour radio de Doublonville, enfin ils foutent le Dawa partout comme d'hab. Donc on va partir leur botter le cul, hein, c'est la tradition dans Pokémon, on botte le cul à la Team Rocket. C'est comme ça. Allez, partons à Doublonville. Bon la musique est très calme mais c'est le bordel en fait. Hein. Bah écoute, on va mettre la radio de la Team Rocket, ça fera plus ambiance. Voilà. Oh mais... On sent que c'est le chaos là, c'est... Regardez, ils sont partout. Les Pokémon, ils ne servent qu'à amasser des tonnes de Pokétunes. Oh, tu es bien méchant, dis donc. Oh, mais j'aime bien, c'est trop le cliché des véreux, ça me fait marrer. Notre rêve va bientôt devenir réalité. C'était une si longue lutte. Reste hors de mon chemin, dégage. Oh, de toute façon, ils vont tous dégager. Il doit y en avoir un peu partout, il doit y en avoir là, je pense. On va faire le tour de ces... Regardez, ils sont partout! Viens te frotter à la terreur de la Team Rocket. Et gamin, t'es pas de la bande, bouge de là. Calmez-vous là, les mecs. Je vais être obligé de déchaîner ma force, je vais détruire la ville. Bon, allez. On va partir sauver le cul au professeur Chen. Ça fait mal au cul de dire ça, mais oui. On va le sauver. Eux, ça fait un moment qu'ils étaient là, les deux, là. Envahir la tour radio? Quoi? Mais c'est pas des oignons? Ouais, enfin, vous allez voir. C'est donc ça, la tour radio. Que veux-tu, petit scarabée? Dégage. Gage. Non, qu'est-ce qu'il a dit? C'est donc ça, la tour radio. Que veux-tu, petit scarabée? Gage des. Ok. Ah, il est terrible. Alors, tu fais toujours l'accueil, toi. Bonjour, il n'y a pas de visite prévue aujourd'hui. D'accord, garçon, calme. Non, elle est envahie mais tout va bien. Allez, premier combat. Nous avons enfin envahi la tour radio. Vous allez tous trembler devant la puissance de la Team Rocket. Yahaha, on est méchants. Oh là là. Je les adore. C'est les méchants les plus adorables du monde du jeu vidéo. Comme bande. Ils sont tellement niais, tellement... C'est vraiment les voyous du dimanche quoi, c'est... C'est marrant, moi ça m'a toujours fait marrer. Oula, il a la coin dure. Heureusement qu'il a la trouille. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai regardé et Noctali pourra pas prendre feinte parce qu'il apprend au niveau 36 et vu que s'il évolue plus tard, il apprendra au niveau 37. Enfin, s'il évolue, hein, ce truc va évoluer au niveau 60. Hein. Bon, d'ici là, j'aurais foutu dans une boîte. Hein, parce que je vais pas attendre 10 000 ans qu'il évolue. Hein. C'est qu'il se fout de ma gueule sinon. Ok. Je tente. Je le fais monter de niveau, après s'il monte pas, je change et ainsi de suite, je remettrai. Bon, il va bien évoluer un jour ou l'autre. Je le sens parce qu'il y avait marqué, il a l'air ravi. La dernière fois que j'en ai chez coiffeur, donc. Ça me l'a jamais fait. Alors, ravi. C'est bon signe d'être ravi, je sais pas. A priori, oui. Hein, mais bon. Pour Evoli, il en faut plus, je sais pas. C'est pire que. Je sais pas. Et peut-être qu'il. Peut-être que faut que je lui présente un Evoli femelle et qu'il fasse des trucs avec. Hein. Là, il sera vraiment content. Là, il pourra pas me faire chier et il sera vraiment content. Trop fort, toi, on t'a à l'œil. Ok. T'es trop fort. Je te dois prévenir les autres, tu es un danger. Ah oui, tu fais bien, oui. Donc là, oh, le rondoudou, il est toujours là. Rondoudou, ok. Et toi, là, tu fais quoi tu sers, toi? Pourquoi veulent-ils contrôler la tour radio? Mais je comprends pas les gens, genre ils sont pris en otage, mais vous en allez, hein, c'est ouvert, enfin moi je suis rentré par l'autre Gugus là, oui. Ouais, il y a peut-être lui qui fait chier, mais bon. Puis faites quelque chose, putain, c'est déboulé quoi. Allez, haha! Très ennuyeux, c'était trop facile d'envahir cet endroit. Allez les petits, faites-moi encore rire. Tu vas pas rigoler longtemps. Ma cocotte! Stylé, hein. J'adore les dégâts qui sont. T'as Arbok. Avec toutes les femmes de la Team Rocket ont un abo dès qu'elles s'inscrivent. Leur modèle c'est Jessie. Et les mecs ils ont des Smogos, c'est James. Vraiment instauré le délire quoi.
Ah mais en plus il y a deux Pokémon sympas je trouve, Arbok et Smogogo. Je kiffe bien. Moi je trouve que c'est pas des mauvais Pokémon et ils se... Force la série c'est de trop balader, c'est un peu chiant quoi les pauvres. Quittez toi Je suis Vince Attack et ça c'est Evoli, il va te... t'évoluer ta tronche. Tu as gagné, je ne l'oublierai pas. Toi tu me vois pas toi? Mais moi je vais faire les combats moi. On est la Team Rocket, on est les exploiteurs de Pokémon. On est des pas beaux méchants qui font peur. Grrr. T'as peur là? Ah non mais les dialogues dans le jeu, mais... ils sont terribles quoi, c'est du bonheur à lire. Oh putain, oh là là là, oh il va être chiant lui. Voilà, j'espère vraiment qu'il va évoluer lui parce que ça me saoule de toujours jouer avec lui. Ah ouais, franchement, c'est abusé quoi. Mimi que, rien, s'en fout. Défense de Oli, diminue, morsure, allez hop. Voilà. 256, c'est pas mal. Si Rocket veut dire ratata. Non. Je ne change pas, je continue. De toute façon, il va avoir un paquet, tant pis. Petit à petit, il grappillera de l'expire. Et je crois qu'il y a des Pokémon très forts. Qu'ils ont les patrons là, hein. Genre je crois il y a des molos, je sais pas, enfin ça rigole pas quoi. Faut que je fasse gaffe à mes PV, enfin au PV de mes Pokémon, mais bon. Théoriquement, avec j'ai Diffusion de toute façon, au cas où. Puis les autres gèrent, hein. J'ai Léviathan Rouge, j'ai Pharamp, j'ai Tauros. C'est bon, ils sont pas encore dépassés, ils sont tous au-dessus du niveau 30. Donc ça devrait le faire, théoriquement, il y a pas trop de choses à craindre. Mais bon, je me méfie parce que gamin, je mettais des. J'avais que deux Pokémon balèzes, les autres ils servaient avec les CS. Et je m'étais fait rembarrer, oui. Ah ouais, parce que quand t'es gamin, enfin moi perso, des fois je jouais qu'avec le starter, il défonçait tout le monde. Bon, dans ce cas-là, il avait pas défoncé tout le monde, mais... Non, c'était la première génération. Version rouge, moi j'avais qu'un Dracaufeu qui était peut-être niveau 70, 75 à la ligue. Il défonçait tout le monde tout seul, quasiment, quoi. C'est abusé, quand t'es gamin, tu joues qu'avec le starter. Bon. Après j'avais un Tartar et un Raichu, j'arrête pas de le dire mais... Ah oh, j'adore cette équipe. Il y avait trois Pokémon mais bon... Ça gérait quoi. Bon, pendant que je parle, je blablate, mais oui il faut bien parce que... exploser des ratatas c'est pas super marrant en fait. Par contre j'adore la dégaine de ratata assis comme ça. Enfin ou alors debout sur ses deux pattes. A voir, est-ce qu'il est assis ou debout? Dites-le dans les commentaires. Bon. Bah, il veut pas évoluer. Bah, enfin, il veut pas évoluer. Il peut encore monter. Tu te crois un héros? Bah, oui, oui. Parfaitement, monsieur. On n'est pas juste super méchant. On fait ce qu'on veut. Ah, c'est beau la liberté. Alors. Ouais, j'espère que j'ai des potions. Super potions. Oh, c'est bon, ça va le faire. Bon, allez, hop, il y en a encore. Oh, il y a encore beaucoup de combats à faire. Oh, j'aurais pu en éviter plein, mais bon. Eh, dégage le nain. On est là pour prendre de l'XP, de l'expérience. On n'est pas des chuchotes. Si Broca veut se battre, il envoie nos serpents. Bon, jusque-là, c'est classique. Niveau 26 quand même. Méfiance, hein. Ah, j'aurais pu faire ballon, moi. Que je suis con. Morsure, ouais. Ouais, toi, nos serpents aurait été plus emmerdant. Mais là, je pense que, comme il n'a pas évolué, ça va. Oh putain, non mais ça c'est abusé quoi. Cet Evoli me nargue jusqu'au bout. Bon allez. Là on va voir s'il évolue ou pas. Hein. Sinon je crois que s'il évolue pas je le refous dans sa boîte là, je suis désespéré. Non mais oui, putain je me suis... Pourtant, tous les jours je démarrais une partie juste pour aller chez le coiffeur avec Evoli quoi. Alors merde, au bout d'un moment, hein, tout le coiffeur que j'ai payé dans mes... Il est assez brushingé comme ça là, Evoli là, c'est bon. Oh, sinon, au pire, on le peint en noir, ça fera un Octali, hein, c'est pas grave. Hein. Si Rocket a perdu, qu'est-ce que t'as à dire? Ok. Pff, j'abandonne. Tu fais bien, oui. Oh, bordel de merde. Oh putain, ça y est. Eh ben enfin. Ah putain, toi, on va t'apprécier ce que tu en as fait chier. Enfin bon, il pète la classe quand même, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il pète la classe? Allez, on va le laisser devant juste pour refaire un petit combat avec. Tu fais chier, voilà, j'aurais pas pu apprendre feinte. Fais chier. Parce que, d'un niveau, hein, je l'ai loupé, l'attaque feinte. Mais bon, c'est pas grave.
Bon allez, attends, j'ai démonté avec Noctalie. Il y a 3 ans, la Team Rocket a été obligée de se dissoudre. Mais nous revenons en force. Putain, j'ai Noctalie. Moi, je m'en fous de la Team Rocket, je veux que j'ai Noctalie, je m'en bats les couilles. J'ai la classe. Oh, je la sauve plus autour de radio, je vais promener avec mon Noctalie. Ah oui, ça fait pas du tout la même dégâts. Putain, oh, les PV, bordel de merde. 128 PV. Oh. Ah oui. Bah, de toute façon, toutes les évolutions d'évolu sont très puissantes. Hein. Eh bah, putain, ouais. Oui, ça rigole pas, oui. Bon, même si j'ai pas faim, j'ai morsure et balle ombre. Puis bon. Mais faut que je prenne l'arcin, c'est type ténèbres. Allez, hop, on s'amuse avec Noctalie. Puis bon, on va un peu changer parce qu'il a pris rien de l'avance sur tout le monde. Les autres vont être à la ramasse, donc je vais un peu changer, varier hein, les plaisirs. Ouais, mais ça sert à rien, armure avec balle ombre. Ah, puis faudrait que je regarde dans le Pokédex qu'on regarde son profil tout de même. Ouais, ça, je le fais, j'ai oublié. J'ai tellement surpris. Je me suis dit encore, il va pas évoluer, j'étais blasé en fait. Gros blasé de la vie, quoi. Alors, gros tas de morts. Oh, il est stylé, il est trop dégueulasse. J'aime bien. J'approuve. On aurait une grosse, on aurait plus de la pâte à modeler qu'autre chose, hein, ça. C'est mignon. On a envie de faire des ronds doudous en pâte à modeler avec des gros tas de morts. Voilà. Ballombre. Défense spéciale de gros tas de morts diminue. Voilà, ça doit faire mal les crasses face, hein, un gros tas de morts, ça doit être un gros machin qui te fonce dessus. Puis morsure dessus, ça va être dégueulasse, quoi. Bleh. Mais bon, c'est un jeu vidéo, je cherche pas la logique. Alors, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Gueux, t'es pas mignon, toi! Bah oh, il est mignon, hein, que t'as dit. On te laissera pas nous empêcher de tout casser. Ouais. Moi, j'aimerais bien tout casser avec vous, les mecs, mais bon, vous voulez pas me prendre dans votre... Dans votre petite bande, là, des jolis enfants, je sais pas quoi, tout noir, habillés tout noir, avec un R rouge. Ah, mais j'aime bien leur combi, moi. Bon, on va mettre Léviator, j'ai mis Léviator devant, oui. Les Pokémon sont les amis adorés des dresseurs. La Team Rocket tente de les contrôler. C'est affreux, ça. Ah oui. Oh, bordel, Et la fille qui a l'air toute paniquée à droite. Commander les Pokémon pour le crime, c'est cool. Je sais pas, ça fait trop longtemps. Ça me fait marrer, les têtes de ces bonhommes, quoi. Les sprites, c'est de la balle. Bon, allez. Oh, Smogogo. Ça, là, ça commence à pas rigoler. Bon, il est cheaté, il est au 26. Donc bon, vous allez me dire, moi j'ai un Léviator rouge, donc... Allez, Mania, tiens. Tu dégages. On s'en fout, il va pas s'arrêter. Il s'arrêtera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur Terre. Bam. C'est puissant, Mania. Oh, c'est vraiment une attaque dégueulasse. Eh oui, il s'arrête pas. Il est parti. Léviator, c'est un Pokémon puissant en plus, hein. Il est lit rouge, et ça change tout. Arrête ça. Non. Mais il va pas s'arrêter comme ça, là. On est dans la merde, je crois. Je me sens super inutile. Mes Pokémon sont nuls et moches. T'en as qu'un, oui. Bon, ça, Smogogo, il est pas très beau, mais bon. Ouais, il est stylé, j'aime bien, mais... Ouais. Un gamin qui se balade. T'es qui, toi? Et toi, t'es qui? T'es un connard qu'en Véliator. Encore un connard scientifique. C'est le méchant, il me fait chier. Oula, par contre, là, on va bouger parce qu'il va one-shot mon Léviator. J'aurais dû deviner qu'un scientifique, à part des Pokémon poison électrique, il a rien d'autre. Hein. Oui, il est de type acier, puis éventuellement, il aura un Porygon. Oui, je sais. Ultrason. Ouais. Bon, roue de feu, tiens. Bon, ouais. Rien ne résiste à Typhlosion. J'adore Typhlosion, vraiment une tête. Je vais tout péter, quoi. Ça déchire. Léviator, ok, à monter, oui, du coup, bah oui. Je me disais, mais. Mais j'ai du mal ce soir. Hein. Je suis plus performant le jour quand je tourne la journée, en fait. Parce que je me rends compte. Et lui, j'ai envie de faire un point de feu, histoire de varier, tiens. Bam. Dans l'œil, quoi. Oh. Pauvre Magnéti. Paix à son âme. Si vous avez une pensée pour Spaghetti, laissez un pouce vert. D'accord. Oui, je dis tout et n'importe quoi. Oh, le mec, rien que pour avoir des pouces verts, il nous prend par les sentiments. Putain, là, genre l'association des Magnéti sans défense contre moi. Parce que je fous
des coups de poing dans les yeux des Magneti et puis je demande des gemmes sur leur dos alors que je leur fous des coups de poing dans l'œil. Mais c'est scandaleux. Vous faites quelque chose. Typhlosion, c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Oui, je suis ton dresseur, mais bon. Pfff, et j'arrive pas à faire. Pfff, je faisais pas attention. Bouah. Je peux donner l'alarme d'ici. T'es bien feinté. Ouais, bon, moi je casse la gueule. Tout le monde, moi je suis un foufou. Un lecteur de cartes magnétiques, ok, bon, sans doute. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a, la poulette? Hé, le chef de la Team Rocket s'est enfermé. Mais le directeur peut ouvrir. Il est au quatrième. Sauve-le, pitié! Oui, t'inquiète pas, je m'en charge. On m'a donné des ordres précis. Je dois casser tous ceux qui sont contre la roquette. Ok, mais moi, je me suis donné des ordres tout seul et je me suis dit, je vais casser la roquette. Smogo! Mais si je faisais Dracorage? Ah, j'ai pas appris ça, j'étais persuadé que j'avais appris ça. Quand j'aurai battu ce dresseur, je vais mettre les CT à jour, on va dire ça, sur mes Pokémon. Allez, carrément. Mais c'est pas sympa, ça. Oh, calme-toi. Non, mais non, et... T'as de mort. Je voulais faire Dracorage. Voilà, j'adore comment ça fait, cette attaque. Ça fait des vagues bien. C'est pas mal. Ça ne changera rien. Tu perdras 45 PV quand même. Oui, parce que Dracorage enlève, quoi qu'il en soit, toujours 45 PV. Donc c'est pas mal cette attaque. Moi, s'il reste pas trop de PV, c'est sûr de le finir le Pokémon. Il n'y aura pas de coup. Il n'y a pas de coup critique, de trucs comme ça. Ou de le machin il résiste. Enfin, vous avez compris. J'ai vraiment du mal à m'exprimer aujourd'hui. Morsure. Crao. Putain, se faire mordre par un Léviator, ça doit faire mal. Et en plus, là, tu m'étonnes que t'as la trouille, mon gars. Petite chauve-souris face à un serpent de mer comme ça. Qui a l'air vraiment vénère, quoi. 31, ouais, yeah, youpi. Il monte niveau 31. Utiliser Rattata. Ah oui, bah oui. Alors là, le choc des extrêmes, quoi. Bien une Dracorage sur sa tronche. Ah, mais le pauvre Rattata, quoi. Non, mais. C'est cruel les combats de Pokémon, quoi. Non, mais c'est pas légal, là, quoi. Pourquoi il résiste, hein? Ah, il va me... Attends, j'ai cru qu'il allait me le tuer, quoi. Croc de mort. Alors, le nom est terrible. Je kiffe, mais... Alors, ouais, c'est bon. Bon, je vais changer, hein. De quoi? Bah, t'as perdu. J'ai échoué. Quel déshonneur. Je vais me faire virer, c'est sûr. Bah, oui, mais... Non, t'as vu, ils sont nuls tes Pokémon, quoi. Ouais, bah ouais, Tauros, parce que... il est niveau 31, faut qu'il bouge son cul, lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Putain, il y en a encore du monde. Il va durer longtemps, c'est bien, je vous l'annonce. Tu comptes sauver le directeur? Je crois que ça va pas être possible. Je vais t'écraser. Ouais, non, mais non. Mais... Non, mais ils sont prétentieux, par contre. C'est hallucinant, quoi. Ne sera petit, ouais. Ça va pas être bien méchant. Alors, ouais. Coup de corne, ça va très bien, coup de corne. Ça passe crème, un bon coup de corne. Sur un osseur petit, ça passe toujours crème. Bloop. One shot. Très bonne attaque, coup de corne. On dirait pas comme ça, mais... Enfin, je... Faut que je me renseigne sur combien ça enlève. Oh là, un osseur apto. Oh, ça rigole plus, là. Oh, putain, il a une bouche, lui. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Il me fait triper, ce Pokémon. C'est vrai que son évolution, ça ressemble pas à grand chose. Je sais pas ce que vous en pensez de nos transferts, mais moi je préfère nos Seralto. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est pas fun du tout. Je sais pas. Dites-moi votre avis comme d'habitude. J'aime bien avoir des avis. Et on a le droit de pas être d'accord. Hein. Si vous êtes pas d'accord, dites-le aussi. Ça sert à ça. Alors. C'est pas la dictature. Hein, et... Non, mais. Puis, je dis beaucoup de conneries aussi. Hein, vous savez. Alors, Tauros, il va payer. C'est un excellent Pokémon quand même. Incroyable! C'est la première fois que je le teste vraiment et. C'est pas mal du tout. Je le crois pas. Bah, pourtant, mon gars. Et il m'a vu, punaise. Parfait. Cette tour radio sera parfaite pour nos plans. D'accord. Mais scientifique, je sais pas quoi ils pensent dans leur tête, mais putain.
Ah, gym scientifique, il y a une Pokéball et un Pokémon. Et un Porygon. C'est stylé, c'est classe, mais ça coûtait la peau du cul au casino dans l'ancienne version, donc... Alors... Et il peut changer... Lui, il est chaud parce qu'il peut changer son type. Adaptation. Celui-là est chaud, ouais. Ouais, genre, ouais, j'aurais lancé une attaque ou il serait transformé en type électrique ou... Il aurait pu se lancer en type de combat, là, pour résister aux attaques normales. Enfin, bref. On s'en fout, il est KO. Tout plan comprend certains accros. Et oui, c'est comme ça. Penses-tu vraiment pouvoir stopper la Team Rocket? Bah oui, oh, vous êtes des rigolos, les gars, quoi. Ah! Tais-toi! Tu es là pour me sauver? Alors, surpris! Et oui, je suis un imposteur. Cette mascarade était nécessaire à notre invasion. Veux-tu savoir où est caché le vrai directeur? Je vais te le dire, mais d'abord, combat! Ah là là, le petit coquinou, ouais. Genre, je m'y attendais pas du tout. Non, non, s'y attendait pas. Ouais. Bah, bon, comment on voit qu'il y a... qu'il faut une carte magnétique, ça s'ouvre pas, bon, tu te dis bien que bon. Alors, on va l'éclater. Boum! Oh là là, t'es dégueulasse. J'adore les sons dans le jeu. Oh putain. Alors là, par contre, j'adore ça. Ça, j'adore pas du tout. Non, non, non. Coup de corne, ouais. Bon, je vais changer. Faut que je le sonnerai plus tard. Ok, j'ai utilisé Smogo. On va utiliser Noirfang un petit peu. Allez, après, on le prend. Ouhou, alors, j'aimerais bien avoir une attaque. Je suis pas très bien équipé avec le niveau attaque. Hein. Ouais, c'est. Je kifferais qu'il ait choc mental, quoi. Ça serait pratique, ça. Surtout avec tous ces Pokémon de poison, là. Enfin, ce serait bien s'il apprenait une attaque suivante. Bon, on va faire avec Belly. Hein. Oh, vol, ça me fait chier à faire monter et descendre. Monter en haut, oui, je dirais ça. Et plus parfaitement, je dis monter en haut et descendre en bas. Hein. C'est bon, on le dit tous, c'est bon. Ça, c'est un débat qui m'exaspère. On est pas non plus. C'est pas non plus faux ce qu'on dit. On monte en haut. Ah, mais c'est sûr, tu pourras pas monter en bas. Alors, ceux qui disent ça, mais. Ah non, je vais pas changer, ça me perturbe, regarde. Ah, mais voilà, c'est quand on dit en haut. Voilà, la chambre est en haut. Hein, au lieu de dire la chambre, on est en haut. Ah bon, bref, ça, ce débat n'a pas lieu. Oh, quoi que si, regardez, je sais pas combien Smogo a explosé. Je balance mon hibou sur leur tête. Bientôt il va être mort, mon hibou, parce que Bélier, ça lui. Oh non, mais t'es nul, Noirfang. Oh non, 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 non. Bon. Ben. Voilà. Il a explosé mon hibou. Ouais, bah oui, il est KO. Putain. Pharaon, pas toi. Qui est dans la Smogogo? Ah oui, carrément, le gros, le lourd. Que de faire, ça devrait faire bien mal. Mais faudrait que tu vises. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, faudrait qu'ils soient aussi fatigués que moi. Et oui, c'est ça, de faire la fête tout le week-end. Allez, que de faire. Je te... Non mais... Bon, je veux bien qu'il y ait brouillard, mais merde. Oh là là, mais c'est pas possible. Bon. Non mais 4 fois il loupe quoi, 4 fois de suite. Il me fait ça à Ligue Pokémon, je suis dans la merde. Eh oh, tu vas te réveiller ou je te transforme en kebab? Ah, là tu te réveilles. Voilà. D'accord. Putain, je crois que les types aciers ça avait l'avantage sur les poisons. Oh je suis déçu, mais alors d'une force. Et je suis empoisonné. Putain, mais quel... Ils sont chiants ces Pokémon. Il a la coin dure celui-là. Non, je vais pas changer, mais. Sans, je les soigne tous après, quoi. Mais je crois qu'après, il faudra que j'aille ailleurs, donc j'aurai le temps de passer au centre Pokémon. Hey, vous voyez, ils sont tendus les combats, hein. Je me balade pas facilement. Allez, un Smogo encore, oui, allez. Bah, il avait que des Smogo, un Smogogo. Tommy collectionne, lui, il kiffe, lui. Bon, il va avoir un cancer du poumon, mais c'est pas grave.
Allez, allez, allez. Hop là. Ok, une requête est perdue. Ok, ok, je vais parler. Oui, tu m'en as fait chier là, c'est bon. On a planqué le directeur dans l'entrepôt souterrain. C'est tout au bout du souterrain. Mais tu n'y arriveras jamais, ah. Ah, il me file la clé du sous-sol. D'accord, j'y arriverai jamais, mais je te file la clé. Mais le mec, quoi. On a planqué le directeur dans l'entrepôt souterrain. C'est tout au bout du souterrain. Mais tu n'y arriveras jamais, ah, ok, oui. Bon. Mais tu te répètes et tu me files la clé. Antidote, ça va me stresser, ça va pas le faire du tout. Enfin, plus deux Pokémon empoisonnés, quoi. Donc, on va passer au centre Pokémon, on va aller au souterrain, libérer le vrai directeur. Ah, ils ont fait faire des... Ah bah, on voit là-bas. Ah, on peut y aller encore. Mais oui, c'est ce qui est bloqué là-bas. Logique, logique. Allez, hop. On va y arriver, voilà. Je vous ai tous botté le cul, déjà. Je crois que j'ai fait la moitié de la Team Rocket, déjà, c'est déjà pas mal. Et on va arrêter ici, non, je déconne. Quand même. Mais bon, ça va être un gros épisode. Et hop, en bicyclette. Non. Bonsoir, patati patata, oui, Sony Pokémon, oui, Sony, oui. Le plus joueur Pokémon, mais oui, tu veux que je te montre autre chose aussi? Pardon, c'est pas bien. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont super, enfin je suis pas obligé de lire ça, vous connaissez. Hein. Non, mais c'est pour l'immersion dans le jeu. Bon, d'accord. Ouais, on a bien que c'était bloqué de ce côté-là. Non, c'est... il est là-bas, le... Il faut y aller par là, dans le futur. C'est quoi, cette maison? Ah oui, c'est le Google qui donne des noms. Hey, vas-y, je renomme tes Pokémon. Je peux... Genre, on peut pas les renommer tout seul, genre, on est... Je sais pas, des... C'est ridicule, quoi. Ah là là, je t'y arriverai jamais, bah. La clé du sol a ouvert la porte. J'y arriverai jamais, hein. N'importe quoi. Mais c'est n'importe Nawak. Ouais. Oh non, je change rien. Bon. Oh là là, ça va être long. Oh non, il manquait plus que lui. Alors lui, il arrive au bon moment. Minute. Hé, je t'ai suivi. Sans blague. J'ai pas besoin de toi pour casser la tête de la Team Rocket. Oh, il fait des rimes, le garçon, il a évolué. Attends, voir, tu m'as battu avant, non? C'était de la chance. Mais cette fois, ça va saigner. Oh là là. Alors lui, il arrive au moment, rien pour me faire chier, quoi. Il va bien... Laissez mes Pokémon, histoire que je galère bien. Nosferatu, ok. Jusque là, rien de nouveau. Tu me fais pas peur, hein, c'est bon. Mais voilà, les niveaux, oh là là, ça commence à être short, hein. Je suis pas du tout... Je devance pas le tout, là, hein. Je suis vraiment... Alors c'est bien, ça fait du challenge, hein, vous allez me dire. Confus. Ça faut lui infliger des dégâts. Bon, si il reconfus, je le change, je vais pas perdre de temps. Les petits poussins, ça me fait marrer. C'est très bien animé, moi je trouve. C'est des animations simples, mais ça me fait toujours. Ça marche toujours, quoi. Oh là là, enfin, t'as pas m'exploser mon taureau, ça je suis pas d'accord. Oh là 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 là, j'aime pas ça du tout. Cruel. Ça pique, ça pique, et oui, ça pique. Bon, ça commence bien. Pharaon. Là, tu vas voir, ça m'a rigolé, mon gars. Un pouls éclair dans ta tronche. Oh non, mais cette honte folie, mais c'est une attaque. Encore une attaque que Noctali ne pourra pas apprendre parce qu'Evoli n'a pas voulu évoluer à temps. Voilà. Bam. Alors là, tu dis quoi, là? Tu dis quoi? Hein? Alors, avec utilisé Magnéti, oui, Typhlosion. C'est bizarre en fait de pas avoir un Pokémon plante, ce que je me disais. Mais... C'est bon, électrique, ça suffira très bien. Alors, pas perdre de temps, point de feu. Allez hop. Oui, l'association des Magnéti perdue, abandonnée, sans défense. Encore à me râler. Je sais pas pourquoi. Ici les Magnéti. Parce que les autres, je leur fais pas de cadeau non plus. Bah tu dis alligator, ah bah oui forcément, je sors mon Pokémon feu, alors tu sors dans Pokémon. Oh mais c'est courageux. Et bah moi vu que tu fais comme ça, moi je sors mon Pharaon. Oh Godzilla. C'est vrai, il a une tête de Godzilla, je trouve. C'est terrible ça. Point éclair.
Ouais, mais bon, Godzilla, il n'aime pas l'électricité. Voilà. Je m'en doutais qu'il serait pas mort d'un coup. C'est un starter et ils ont le coin dur. Allez, éclair. Oh le bâtard, il m'a mordu. Il m'a mordu mon mouton. Oh le salaud. Hop, niveau 35. C'est génial. Ouais, allez, ça monte. Hein. Il va utiliser Spectrum. Là, alors là, on ne peut qu'envoyer qu'une seule personne. C'est Noctalie, quoi. Là. C'est son job, là. Si je me suis fait chier à l'avoir, c'est pour ça. Déjà, je fais ballon, il va pas aimer déjà. Parce qu'ils aiment pas leur propre attaque. Hein. C'est comme les dragons. Les spectres et les dragons n'aiment pas les attaques de leur type, quoi. Ils vont rien pouvoir me faire. C'est trop. Je kiffe le type ténèbres. On va reprendre Typhlosion. Hein. Et il a une bonne petite équipe, hein, lui aussi. Hein. Elle est sympa. J'aime bien. C'est assez original, je trouve. Je trouvais, ouais. C'était. C'est pas forcément l'équipe overcheatée comme Régis, quoi. Mais c'est pas mal. Allez, hop. Typhlosion, il monte au niveau 38, mais c'est formidable. Alex a perdu. Pourquoi? Moi perdre? Mes Pokémon sont super balèzes. Je les entraîne à fond. Alors pourquoi? Parce que je suis plus fort que toi, fais pas chier. C'est incroyable. Ce qu'a dit Peter est donc vrai. Je m'occupe mal de mes Pokémon. Amour, confiance. Est-ce aussi important? Est-ce la raison de ma défaite? Je ne comprends plus rien. Mais ce n'est pas la fin. Pas maintenant, pas comme ça. Je serai le plus grand dresseur de Pokémon de tous les temps. Ouais, non. C'est moi, comme toujours. Bon, est-ce que j'ai un rappel? Ouais, j'ai un bonbon rage, ça sert à rien. Non, bon. Bon, rage B, on a une attaque à la défense. Non. Bon, Tauros, tu feras la teuf une autre fois. On va mettre Léviator devant, ça ira très bien. Bon, j'aurai encore plein de combats ennuyeux. Je m'en fiche si t'es perdu. Si tu viens ici, tu dois être prêt aux conséquences. Ouais. Je vais vous exploser la tronche, vous allez rien comprendre. Et j'avais dit que je ferais un ménage de CT. Ah, faut que je le fasse après. Ah, il y aura un truc de ouf. Lui. Ok, un Pokémon Rattata. Waouh. Genre, je vais apprendre le surf à Léviator parce que ça sera plus pratique. Ça fera une bonne attaque bien puissante. Putain, mais Oh, t'as la trouille, ça va. Mais ils ont la coin dure pour des Rattata, hein. C'est hallucinant, ça. Morsure. Allez, hop, un petit rap. C'est comme une cacahuète pour Léviator, quoi. Gueux, tu te crois fort ou quoi? Ouais, quand même. Je t'ai explosé ta tronche. T'as un sacré courage pour t'attaquer à la roquette. Ils aiment bien dire à la roquette. Au lieu de dire à Team Rocket, ça donne un style. Je peux apprendre Vanglas. Activer, apprendre un quotidien Vanglas. Apprendre Vanglas à Pokémon, oui. Je vais apprendre Vanglas à Léviator. Oh, Tauros peut faire Vanglas aussi. Mais attends, on peut vraiment plus apprendre de 4 capacités, oui. Oui. Gros yeux, ça sert à rien. Et. Bon, allez, je prendrai Surf plus tard, j'ai Vanglas. Larsin, je vais l'apprendre à Noctali. Oui. Vu qu'ils volent des objets, c'est assez cool, quoi. Ah bon? C'est un type de ténèbres, il peut pas. Putain, j'ai même pas regardé. Ok, je suis super déçu. Et ça, bon, Burke, qui peut l'apprendre. Ok, bon. D'accord, vous me décevez tous, c'est une grosse déception. Bon, j'apprendrai Surf à Léviator plus tard. Ouvre un truc et un autre se ferme. C'est dur d'avancer, hein. D'accord, faut appuyer sur l'interrupteur. Oh là là, je vais me perdre. Allez hop, c'est parti. Gros tas de morts. Carrément, quoi. Allez hop, on va voir ce que ça donne, Vanglas. Waouh, on dirait psycho, mais c'est pas psycho. Ok, c'est pourri. Ouais. Bon, il va prendre Surf, hein. Vanglas, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Écrase-face.
Allez hop. Bam. Bim badaboum, bam bam. Va utiliser Smoog au... Non. Est-ce qu'il va continuer Mania du coup? Ouais, je continue Mania. Au point non, il est confus, de toute façon, il reste plus rien. Enfin, je dis ça, il prend des dégâts. Purée de poids. Ok. Alors ça, elle est longue à arriver cette attaque, hein. Oh là. Ah, j'en peux plus. Les Pokémon poison, je les déteste. Ils me pourrissent la vie, ces Pokémon poison. Oh là là. Ah, ils ont vraiment des Pokémon chers en fait à Team Rocket. T'sais. Bon. Eliator, tu es nul pour le moment. Tu es rouge, mais tu es pas bon. Je vais te remplacer toi aussi. Je suis sévère dans ce let's play, quoi. Je suis pas comme l'autre. Je suis méchant cette fois-ci. La moindre erreur, c'est transfert. Tu retournes dans ta boîte si tu fais chier. Ouais, bon, Léviator, tu vas crever. Léviator, ok, vous voyez. Allez, on va essayer. Ah, tu crèves pour contre un Rattata, franchement. Là, tu me déçois vraiment. Je sais pas ce que je fais. Ah merde, je suis con. Oh là là, bon d'accord. Bon, je... Et merde, bon. Moi je dis l'étolier, c'est Typhlosion, Noctalie, Faramp. Hein. Je me fais... Ah non, en même temps ils sont pas très entraînés les autres, allez me dire. Merde quoi. Oh, attendez, il était niveau 32, l'autre niveau 20 et 25 quoi, c'est pas méchant. Zut de flûte, j'ai perdu. Oh là là, zut de flûte, oui, tu peux le dire ça. Moi aussi, je m'y perds. Le premier interrupteur est activé et au bout et après. Hein, d'accord, alors je vais activer ça. Il est écrit interrupteur 1. Bon, on l'active. Alors, un truc là. Total soin. Ah, ça peut être utile, ouais. Je crois que Typhlosion est devant, je regarderai plus tard. On va voir. Alors, celui-là, j'ai pas l'activé, puis j'activerai l'autre. On va voir ce que ça donne. Ah, ils sont méchants. Kawaha! Les volets te posent un problème? Bats-toi et je te confie un petit secret. Bon, il va me donner la combinaison. Très bien. C'est pas des énigmes super dures, mais bon. Vous savez, moi je suis simplé dans ma tête, vous me connaissez. Moi je me perds facilement. Bon. Allez, t'es pas un petit joueur comme les autres là. Tu sais te démerder. Bam. Ça fait plaisir de les one-shot. Bah t'es gros tas de mort, non je ne change pas. Là il en a, il est énervé de voir toute son équipe perdre. C'est le capitaine Typhlosion, il est pas content. Bah, je compare ça à une petite équipe de foot que je fais. Hey, bougez votre cul sinon. Bah sinon ça sera les. Bah t'as un club de Ligue 2. Ça va être comme ça, passer de la D1 à Ligue 2. Et mais oui, mais l'amour de tes Pokémon t'en fais quoi hein? C'est un jeu vidéo. Ce ne sont que des données et des pixels qui bougent. Dommage. Alors, ok, un conseil. Change l'ordre d'activation et l'ordre de fermeture des volets changera. Oui, bon. C'est écrit interrupteur 3, oui. Alors j'ai pas, ouais. Alors je sais pas si j'ai fait un truc bien. On va nous ouvert là. Oh là là, c'est un calvaire. Écran interrupteur 1, on l'éteint, il est actif, on l'éteint, oui. Hein, ça fait un truc là, hein. Il n'y a rien. Je n'y comprends rien. Là c'est fermé. Eh merde, je voulais pas le faire ce combat. Bon, ce sera fait. Ils ont abandonné ce projet avant la fin. Je cherche des restes à voler. Ouais, un voleur, ça fait longtemps, tiens. Je crois que c'est le premier qu'on voit dans le jeu. Ah oui, c'est le premier. Hein. Jasper Pillard. Jasper Caninos. Oh bah, ça va. C'est pas bien méchant. Alors, vive attaque. Bon, oh, j'expose quand même pas avec vive attaque, mais bon. Bélier. Ah bah oui, c'est, ça c'est con de se blesser en frappant. Point de feu. Oh putain, n'importe quoi. Oh, ça va bien lui faire un bon dégât, quoi. C'est un bon punch dans sa tronche. Voilà. C'est pas très efficace, mais c'est l'ami KO.
Alors, j'espère utiliser Smogon. Oh non, ne change pas. Pouf. Oh, il est parti pour monter Typhlosion. Là, je le sens. Tout feu, tout flamme. Alors, niveau 24 quand même. Ça va pas rapporter beaucoup, mais bon. J'espère Pierre a perdu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est une bonne tête, lui. Yarlagle. Glagle. Des fois, ils ont des... C'est pas facile de prononcer leur expression. Le dépôt souterrain? Pourquoi tu veux y aller? Y'a rien du tout dans le coin. Bah si, y'a un mec qui est directeur de la radio. Ça a été écrit interrupteur 3, on éteint... Ok, ouais... Alors attendez, quand je vais le rouvrir celui-là. Là... Non, là c'est... Ah, y'a un truc en bas. Là je vais ouvrir celui-là. T'as écrit interrupteur 2, hop, il éteint, on l'active alors. Et là-bas, voyons ce que ça fait. Ok, ça a tout fermé. On va ouvrir celui-là. Crée interrupteur 1, hop. Voilà. Ouais, alors franchement, j'ai de la chance. Si j'ai... Déjà, ça ouvre un passage. Ah, bah c'était bon. Formidable. On fout de l'objet là-bas. On va tomber. Non mais oh, comment il parle, lui? Elmer Pierre veut se battre, il envoie Smogo. Ah oui, carrément quoi. Qu'est-ce qu'elle originalité niveau 23 en plus. Oh là 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 là. Non mais c'était bien, il était des petits goupilles, un magmar, des... Comme la cramoisille quoi. Bienvenue à la cramoisille. Je sais pas moi, des trucs fun, exotiques, bordel. Avec des ratatas, des Smogo, j'en peux plus. Et des nocérapties. Ah bah voilà. Là il y a du challenge. Oh non, je le supplosion. Il va monter. Stylé magma. Hein. Bon là c'est un tunnel. Tu fais encore un trou. Et Magmar lance point de feu, mais il se loupe et tunnel dans sa tronche. Ça apprendra à faire des photos trop swag avec la bouche en cœur là. Bouge de connard. Ah je craque. Je crois que c'est la vidéo la plus longue que je vais jamais faire, j'ai l'impression. 42 minutes déjà. Bordel de merde. Cette vidéo est prête pour durer plus d'une heure. Roue de feu, allez hop. Bam. Voilà. C'est Typhlosion le patron, c'est comme ça, et pas autrement. Elmer Pierre a perdu. Pitié. Non, pas pitié, écoute, faut que j'aille sauver le directeur, j'ai pas que ça à faire. Voler, c'est cool, piller, c'est top. Ouais, d'un peu kleptomane, toi. Voilà, une méchante. T'es perdu, non? Je le crois pas. T'as pas l'air d'avoir peur. Bah non. Attends, moi j'ai te faire peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que vous me saoulez, là, avec vos Pokémon à la con. Deux Pokémon, ça va. Ortide! Bah t'es mal tombé, là. T'es mal tombé, mais vraiment, quoi. Bien fait, Ortide, sinon le sprite d'Ortide est très bien fait. Voilà. Ça fait un triangle de feu, c'est assez kiffant. Hop là. Ortide encore, ok bon. Non. Non, je dis non, je suis trompé de touche. Merde, ça arrive, soyez indulgent. Je sais pas. Roue de feu. Tu vas brûler. Pauvre Ortide. Non, il capte rien, regardez, il bug, il ne récupère rien d'une cuite qui... C'est méchant. Alors, si Broga t'a perdu, oh, c'est incroyable. Comment oses-tu? Ben, faut bien que je fasse mon boulot. Où tu veux, va-t'en. Je m'en fiche. Ok. T'es vexé, c'est ça? Tu peux le dire. C'est écrit urgence. On est en l'active? On l'active? Ouais, ça débrouille tout. Alors. Oh non, il y en a partout. Mais ils sont blindés, hein. Pas un pas de plus. Mes ennemis, j'en fais de la purée. À table. Ah bon. Moi je me rappelle d'Aldo qui disait qu'il en fait du yaourt. Je sais pas ce que vous avez avec vous. Avec la nourriture, vous avez un problème là. Ratata, oh là là. Mais que c'est original, dis donc. Oh là là. Oh bah je n'en crois pas mes yeux. Bill attaque, le salaud. Rien que pour me grappiller mes PV quoi. Et il est penché ce ratata. Je sais pas, il me perturbe ce ratata.
Comment il est dessiné, ça me perturbe. Ensuite, qu'est-ce qu'il va envoyer? Un autre attaque, je suppose. Un autre raptor. Non, on est parti. Voilà. C'est bon, même pas peur. Hein. Allez, la proue de feu, ça ira très bien. Et une chauve-souris grillée, une. Ça va être très bon. La chair doit être tendre. À point. Non, moi je veux bien, bien cuit. Une semelle, quoi. Purée! Oh, alors là, c'était un petit rigolo, toi. Ils sont vraiment cons, je... Perdu. Pardon, Giovanni. Il fallait dire pizza. Ça collait mieux. Oh, les clichés qu'il a. Ulmax. Ça peut servir. Bon. Ah, il y en a partout. Nyark, Nyark. Je me souviens de toi. Tu m'as battu à notre planque. Hein? T'es encore vivant? Ah, je... Deux Pokémon, ok. Ted Morve. Ah mais, soyez originaux quoi. Enfin quoi que c'est bien, ils sont un peu bêtes. Enfin c'est des poisons, ils sont chiants mais... Ça aurait été des soporifiques, avec hypnose, entrave et tout. Ouais, eux ils pourrissent la vie aussi, autant que les Pokémon poisons. Hop là. Niveau 40, putain il monte, il prend du grade là. Alors... C'est Smogogo. Non je ne change pas. Je ne change plus, là. Ils m'ont tellement déçu les autres. Je suis vexé. À nouveau, un bon type feu pour bien faire le ménage. Y'a que ça se voit. Je crois que j'apprends une autre attaque parce que vu attaque, j'en sers jamais à Typhlosion donc. Nyark encore? Bah oui. De toute façon, tous les gens qui font Nyark ne vont pas bien loin dans la vie. Nyark! Je me souviendrai de toi! Ok, ben moi pas. On voit tellement, vous êtes tous habillés pareil, pas de différence. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Bon, tant pis, je dois me débarrasser de toi. Ah ouais? Tu crois que ça va être si facile que ça, toi? Alors, il veut se battre, il envoie un Smogo, c'est incroyable cette originalité de ouf. Alors, point de feu. Hop là. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Un Smogo, oh là là. Mais ils en non, mais ils sont fournis, hein. C'est comme l'uniforme, ils te fournissent un Smogo. Un Smogo, un ratata, allez hop, c'est parti, t'es de la Team Rocket. Mais mets ton petit béret et ton costume noir et c'est parti. Et on fait tourner les serviettes. Ah là là. Je suis fichu. Ah oui. La Team Rocket vivra dans l'attente du retour du grand Giovanni. Nous sommes prêts pour tout. Bah oui, je vois, faut que des conneries. C'est des 35. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Attendant. Blabla dodo, ouais. Je m'en fiche de ça. Directeur, qui? Quoi? Tu es venu me sauver? Merci! La tour radio! Que se passe-t-il là-bas? Contrôlé par la Team Rocket? Tiens, prends cette carte magnétique. Oh là là, c'est incroyable. Utilise cette carte pour ouvrir les volets du deuxième. Je t'en supplie, aide-nous. Dieu seul sait ce qu'ils feront en contrôlant le transmetteur. Ils pourront même manipuler les Pokémon grâce à un signal spécial. Tu es mon seul espoir. Sauve la tour radio, pitié. Sauve tous les gentils Pokémon. Ok, c'est parti. Je suis le super-héros à chaque fois. En fait, c'est un gamin de 11 ans qui, à chaque fois, il doit sauver le monde. Pièce rune. Bon. Ah, y'a les mecs, là, bougez votre cul, là, les karatékas, là, aidez-nous. Ah, j'ai réussi. Et dans le centre commercial, tout va bien. Bam, 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 on fait notre vie. Ah non, mais c'est pas possible. Non, bon, ça, je m'en fous. Dans une minute, comment tes Pokémon? Mon sac de noix à la pêche, c'est mortel. Écoute, j'ai presque attrapé Doran mal. Oh là là, bah dis donc, t'es nul. J'étais presque. Bah, t'es vraiment nul. Moi c'est un Raikou que je vais attraper et... C'est pas le même délire, vous voyez. Hein, reste dans ton petit délire là. Vous voyez pas que je sauvais le monde? On va soigner les Pokémon. Bonsoir, bienvenue au centre Pokémon. Oui, on soigne les Pokémon, oui. Tan tan non non non.
Merci d'avoir entendu. Pokémon en super forme. Ok, oui. Ouais. Vite, on va prendre Surf à Aliviator. Prendre Surf à un Pokémon, oui. Oui, j'ai dit oui. Ah, putain. Oh, Tauros peut ne pas préférer Surf, hein, c'est fun ça. Non, Tauros, faut que je lui trouve séisme pour lui apprendre, ça peut être pas mal ça. Bon, on va en glace vu que c'est de la merde. C'est de la merde cette attaque, c'est vraiment nul. Je m'en souvenais que c'était nul, mais bon, je voulais réessayer, mais ça enlève que dalle. Ça baisse juste la vitesse, oui, voilà. C'est pourri. Je m'en fous des stats, moi je veux des coups durs, bien méchants. Voilà, offensif comme la musique de la Team Rocket. Allez hop. Et le rondoudou qui s'éclate là-bas, tout va bien. Tout va bien. Non mais tout le monde craque son slip dans ce putain de jeu, c'est toujours comme ça. Je vais mettre... est-ce que j'ai... Je vais mettre Noctali devant. Il est fort, Noctali. Un lecteur de cartes magnétiques, oui. Allez hop, c'est parti. Pourquoi le truc s'est ouvert? C'est toi le responsable? Oui, c'est moi. Oh, calme-toi là. Enfin, je vais te péter ta gueule. Ah, qu'est-ce que t'as? Ratatak, oh oh. Ben, moi c'est Noctali, ça pète 10 000 fois plus la classe quoi. Allez hop, morsure. Il me stresse ça, je trouve. Ouais. Je préférais le Ratatak dans la première version au niveau du sprite, oui. Et gros crocs qui sortaient quoi, c'était vraiment. C'était bien, il était bien fait, mais là, je suis pas fan. Mais tiens, Smogo, non. Pff, voilà, monsieur, c'est de la dinette, quoi. Bah, l'ombre. Ça, c'est... Oh, putain, ça lui pas fait grand-chose. Oh, non. Oh, petit con, là. C'est vraiment un petit con. Petit con de Smogo. Là. Bon, ça va. Il a la coin dure, Noctali. Hein. Et quand t'as la classe, tu crèves pas comme ça. Crève comme Barbe Blanche, debout. Je suis fichu! Barbe Blanche en One Piece. Hein. Je sais pas si ça existe. Quoi? Tu as échappé à nos hommes du souterrain? Comment t'as fait? Bah. Je leur ai tous éclaté la tronche. Stop! On m'appelle la forteresse de la Team Rocket. Pas mal plus, petit. Ah, encore un Kaïd là. Kaïd Rocket de se battre. De mes idées. Wow. Oh, au niveau 36. Ah oui, oui, ça picote, oui. Ballon. Ouais, je crois que j'ai envoyé Pharan. Oula, ah oui, c'est pas bon, ça, vampirisme. C'est type insecte, cette attaque. Ça va se faire très mal à Noctali, enfin. Non. Il y a la coin dure, mais bon, on va pas prendre de risque. On va prendre Pharan. Noctali revient. Et Pharan, go. Bon là on s'en fout, ça fera pas grand chose. Allez hop, point éclair. Oh là là, il est rapide, ils sont rapides les Nosferalto. Nosferalto. Allez ça, j'adore, ça fait vraiment le point. Bam. On voit que ça fait mal cette attaque. Les points glace, points en feu, point éclair, c'est ce qui vient. Mais oui, il est trop fort Noctali. Alors, tout casser ma forteresse. Bah oui, mais bon. Tu as mérité mon respect, alors voici un conseil. Laisse tomber ta quête pendant qu'il en a atteint. Je sais pas ce qui se passe en bas, mais je vais tout à haut taper le boss. Et petit, tu te souviens de moi? Et de la planque d'acajou? Tu m'as battu, mais je me suis entraîné depuis. Bah dis donc. Ah ouais, t'es la nana avec la robe bizarre. Ouais, je te reconnais, hein. Je vais t'éclater la tronche. Darbuck. Mais pourquoi tant de méchanceté? Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Je sais pas. Et oui, il a la trouille. Hop. Tu as re la trouille. Pourtant, Darbuck, il fait bien peur comme ça. Eh ben, il est trouillard. Un Darbuck trouillard, quoi. C'est hallucinant. Hop. Ensuite, va utiliser Rafflesia. Bon, on sait comment utiliser là. Typhlosion. Rafflesia, là on voit qu'il s'est bien entraîné. Ce qui est marrant, c'est marrant de voir la progression des personnages non joueurs. Et stylé Rafflesia comme ça, putain.
J'avais un rafflesia dans ma jeunesse, souvenez-vous. Bon, je crois que l'épisode est bien parti pour faire plus d'une heure. Hein. C'était Cornèbre, oui. Des Pharampes. La musique est au passage toujours aussi magnifique. Allez hop, point éclair. Tu ne fais que retarder l'échéance, mon cher Cornèbre. Mon kebab va t'éclater la tronche. Oui, parfaitement. Oui. Avec Pharampes, le beau, c'est vrai que je fais que des sales blagues, le beau, il a l'air triste. Mais c'est pas possible! Je me bats à fond et je perds! Vin, c'est ça? Une peste comme toi ne peut pas apprécier la beauté de la Team Rocket. C'est dommage, tu es pourtant assez fort. Peu. Oh, tu arrives jusqu'ici? Tu dois être un sacré dresseur. Nous allons contrôler cette station de radio pour annoncer au monde notre retour. Cela devrait faire revenir notre chef Giovanni de son entraînement solo. La gloire passée de la Team Rocket sera restituée. Et toi, Moucheron? Tu vas pas nous agacer longtemps. Ok, le combat final contre le dernier chef de Team Rocket est là. Alors, Kaid Rocket veut se battre. Ah oui, Malos. C'est pas mal. Ouais, bah, j'ai envoyé Léviator avec Surf. Parce que j'ai pas de trop d'attaque pour faire grand chose. Vu qu'il est type feu et ténèbres. Il est stylé, Malos. Hein, il fait vraiment... Arnieux quoi, c'est vraiment bien quoi. Ce n'est pas très efficace. Hop, surf! Voilà, une vague là. C'est vraiment une attaque impressionnante pour voir surf. C'est... Vraiment, tu te prends la vague dans la tronche quoi. C'est un tsunami quoi. Bon, c'est Léviator, tu te rachètes, c'est bien. Alors, qui va-t-il envoyer? Smogo, quelle originalité! Allez hop! Léviator revient et Typhlosion, bon point feu dans sa tronche, ça devrait lui faire du bien, donc allons-y. Allons-y gaiement. Non, j'adore cette musique. Je le dis tout le temps, je le dirai à tous les épisodes. J'adore cette musique. Oui, on met ça en pleine soirée, je deviens ouf. Non, quand même pas, quoique si, me connaissant si. Démolos! Oh là là, putain, il est terrible, il est pas beau, Eric, il est démoniaque, quoi. Hein. Bon, Léviator aussi, il est trash. Alors, s'il te plaît, quoi. Ah, fait chier que Noctali passe d'attaque, c'est stylé. Bon, ça devrait bien te faire mal. Alors, oh là là, il tient, il a la coin dure. C'est un Pokémon rare, ça. Purée de poil, attaque qui met 10 000 ans à arriver. Surf! Je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'aurais jamais faite. Bon, je peux pas couper en plein milieu comme ça. Hop! Niveau 32, c'est toujours ça de prix. Quelle requête t'as perdu? Non, pardon, Giovanni! Bah oui. Impossible! Nos rêves se brisent! Je ne suis pas digne! Comme Giovanni l'a fait jadis, je vais dissoudre la Team Rocket. Adieu! Ah, c'est triste quand même. Je suis triste pour eux, moi je crois. Merci Vince. Ton acte courageux a sauvé les Pokémon du monde entier. Ce n'est pas grand chose, mais prends ceci. Aile d'argent. Vince, mais aile d'argent n'empochera. Il y avait une tour ici à Doublonville, mais elle était vieille et en mauvais état. Alors nous l'avons remplacée par la belle tour radio. Pendant la destruction, nous avons trouvé ceci au sommet. On dirait que les Pokémon géants volaient au-dessus de Doublonville. C'est peut-être tombé d'un des Pokémon. Il ressemblait sûrement à celui des tourbilles à Iseria. Ah ah, mais qui c'est le petit bien-être? Bon, je retourne à mon bureau. Donc vous l'avez compris, voilà, c'est pas une plume à la con qu'il nous donne, c'est la plume qui va nous permettre d'aller voir Lugia, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, tu es mon héros! Veux-tu ceci en remerciement? Ruban rose, ok. C'était utile au Pokémon technique de type normal. Ah, bah je donnerai à Tauros. Miaous, ok. Hop,
Hop, je veux dire, ça va m'être inutile, mais non. Mon dieu, je vois que la vidéo fait plus d'une heure. Ne m'en voulez pas, les gens. Des fois, je vous passe une vidéo extrêmement courte et une vidéo extrêmement longue, mais... Vous comprenez? En fait, j'organise mes vidéos de sorte à ce que soit... Ça coupe pas en plein milieu d'un combat, enfin, d'un événement. J'ai pas coupé en plein milieu pour que la vidéo fasse tant de temps. Non, c'est jamais programmé. Je coupe bien mes vidéos, quoi. C'est selon les événements, quoi. Donc ça sera, il y a pas de durée précise à chaque fois. C'est vraiment. Là, je pouvais pas m'arrêter au souterrain. Ah, prochain épisode, non, ça se fait pas. Et puis des fois, bon, juste la reine à faire, comme la dernière fois. Je fais que la reine. Et là, il n'y avait pas le choix, là. Bon, j'espère que ce très long épisode vous aura plu. Nous a Evoli en Octali. C'est génial. Rien que pour ça, je veux plein de gemmes. On a botté le cul à Team Rocket. Je veux que vous abonnez. Et c'était un épisode très long, donc je veux plein de commentaires. Voilà, c'est tout. Bon, allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.